Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouveau jeu. 15 duos vont s'affronter pour remporter ce jeu magnifique. Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, calmez-vous s'il vous plaît. Nous nous retrouvons actuellement dans l'arène. Vous êtes dans une arène. Il y a aujourd'hui plusieurs jeux. Sachez un truc, messieurs, écoutez-moi bien. Chaque défi de cette vidéo a été conçu pour que chaque jumeau, donc vous êtes des jumeaux, travaille main dans la main pour réussir ce jeu. Donc déjà, bonne chance à tous et bien évidemment que le meilleur gagne. On va se retrouver du coup pour le premier jeu qui se trouve à votre gauche. Le premier jeu, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui, bien sûr. Alors on va faire un petit tour des duos quand même, voir un peu ce qu'on a. Donc on a pas mal de gens, il me semble qu'on a des Turcs vers là-bas. Bon, on va aller voir un peu les Turcs. Effectivement. Bonsoir la team Turc, comment allez-vous? La team Turc, on est là. Ça va et toi? Ça va tranquille. Ça va bien, ça va. Alors, il est plus nul. On a deux personnes. Bonsoir, c'est Nerbi et Esprit. Vous représentez quel pays? La Gitanie. Ouais, voilà, la Gitanie, ouais. Alors, on a aussi également ici deux femmes. Bonsoir, mes deux. On a Tounsa et Lohan. Bonsoir. Vous représentez quel concept, quel pays, quelle association? C'est Barbie, un peu. Barbie, d'accord, monsieur. Voilà, on a aussi également les audios. Vous les verrez tous actuellement. Alors, pour le premier jeu, il y aura deux duos éliminés. Et on va se retrouver tout de suite maintenant pour le premier. Merci à tous de me suivre. Bonsoir à tous et bienvenue pour le premier jeu. Tout le monde me regarde actuellement. Derrière vous se trouve quelque chose d'incroyable. Se trouve le tout premier jeu. Attention, parce qu'il va falloir être très très fort. Il va falloir travailler votre mémoire aujourd'hui. Vous allez devoir mémoriser une série de couleurs devant vous. Vous aurez 5 secondes uniquement. Attention, toute personne qui ne se retournera pas après les 5 secondes. Donc là, je vais vous donner 5 secondes. Vous retournez, vous regardez de l'autre côté. Après les 5 secondes, vous re-regardez vers moi. Si jamais il y en a qui trichent, je les tue et ils seront éliminés. Si un duo est volontaire et qui pense avoir la bonne combinaison, il s'avance. Et le premier duo qui s'avancera me donnera la combinaison. Si jamais la combinaison est bonne, il pourra éliminer le duo de son choix. Donc sachant qu'il y aura deux combinaisons à trouver pour ce jeu. Si jamais il se trompe, il sera éliminé le duo. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Ouais. Oui. Ouais. Tire, messieurs. Ouais. Je vais faire 3, 2, 1, go. Tout le monde se retourne pour regarder l'autre côté, ok? Ensuite, je vais faire le décompte de 5 secondes et tout le monde se retourne vers moi. On est parti pour le premier jeu. 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tout le monde regarde vers moi, vite. On regarde vers moi, on n'enlève pas la première personne. Le premier jeu qui avance. Okay. Alors nous avons Jackie et Sarah, vous pouvez venir devant moi, ok. Alors vous allez rester ici, vous regardez toujours devant vous, d'accord, vous ne trichez pas. Je vais me mettre là-bas et vous me donnez un de vous deux, je sais pas c'est qui. Moi je me donne la combinaison et si vous avez bon, vous pouvez éliminer quelqu'un de votre choix. Allez-y. Jaune. Et ben malheureusement c'est une élimination. Ah mince. un autre duo. Ok, allez, viens, Phil. Voilà, bon, je vais aller voir là-bas du coup. Allez-y, donnez-moi la combinaison. Ok, on va commencer par jaune. Non, bleu. Ensuite, jaune. Oui. Rose. Oui. Vert. Oui. Orange. Oui. Rouge. Oui. Bleu. Oui. Jaune et jaune. Oui. Rouge. Bien joué! Voilà! Ouais, c'est Einstein ou c'est comment? Tricheur! On trouvait la bonne. Merci, GG, frérot. Messieurs, vu qu'il y a déjà un duo d'éliminés, alors vous pouvez éliminer une personne de votre choix. Ah, là, je peux éliminer qui je veux, là? Voilà. Vous pouvez vous retourner. Tricheur! Qui est-ce que vous éliminez, du coup? Quel duo? Mike. La police. Alors, c'est Aman Rose. L'élimine en plus. Ils ont gagné en plus. Aïe. Eh bien, bien joué, messieurs. Alors, du coup, on va se retrouver pour le deuxième jeu. A tout de suite pour le deuxième jeu. Donc, merci de me suivre. Deuxième jeu, vous êtes plus que 10 duos. Ça s'élimine de plus en plus. On va dire qu'il y avait déjà deux éliminés dans ce premier jeu. Alors, pour ce jeu, c'est assez simple. C'est un jeu assez classique. C'est un jeu qui s'appelle le jeu Cache-Cache à la Panto de couleur chrome. Vous allez devoir trouver dans cette zone, dans cette arène, une Panto de couleur chrome. Le premier duo qui trouve la voiture pourra éliminer deux duos de son choix. Mais maintenant, je vais vous demander un truc. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça va vous donner un avantage. D'accord? La première personne qui monte sur la moto... Ok, Mike, bien joué. Tu peux prendre l'ambulance avec ton collègue Burak.
vous vous déplacerez en ambulance et c'est un avantage pour se déplacer dans cette grande arène parce que les autres seront à pied. Ok, attention, la première personne qui me touche, c'est le rouge, c'est Sam. Tu peux prendre ton duo et monter dans la deuxième ambulance. Bien joué. Et enfin, la dernière ambulance qui aura un avantage crucial pour ce jeu. Eh bien, c'est la première personne qui montera sur la moto. Et c'est l'équipe jaune, l'équipe des Gitanos. Bien joué, Spirit. Tu peux, du coup, monter dans ton ambulance. Pour vous faciliter un attache et pour pas que ça dure trop longtemps, vous voyez les deux arbres devant vous, là? Là, les deux arbres sur le côté, là. Après cette limite, ça sert à rien d'aller chercher là-bas. Elle n'est pas là-bas. Donc, c'est entre cet arbre-là et l'entrée là-bas. Je vous ai pas donné le go encore. Hein. Je vous ai pas donné le go. Donc, c'est entre les arbres-là. 3, 2, 1, go. Et bah bonne chance à tous, c'est un cache-cache, le premier qui trouvera du coup la panto de couleur chrome remportera la partie. Donc je vais suivre les ambulances et nous verrons bien qui est-ce qui trouvera cette panto en premier. On rappelle que les gens qui trouveront la panto en premier pourront éliminer une personne de leur choix, deux duos de leur choix. Et ils seront plus que 8, hein. je fais le tour, je regarde un peu comment ça se passe. Alors on a aussi quelqu'un, une ambulance ici qui essaie de trouver. Alors moi je sais où elle est, hein, bien évidemment l'ambulance. C'est Mike hein, qui ont un avantage, qui ont cet avantage de se déplacer. Hein. C'est vrai que se déplacer en ambulance, je pense que c'est pas mal. Je pense que ça peut apporter des choses. On a un autre duo aussi qui essaie de chercher. Allons voir comment ça se passe de l'autre côté. Hein. Ok, pour l'instant, nous avons Phil. Ok, on a Phil qui est ici. D'accord. Alors, il y a aussi des gens qui sont là-bas. Sachez que là où il y en a, ils sont hors zone. Hein. Ne dépassez pas cette zone. Hein. Alors, si quelqu'un la trouve, merci de rester où tu es. Ok, pour l'instant, personne n'a trouvé. Il y en a, ils sont allés voir les pantos du jeu numéro 1, mais il n'y a pas de couleur chrome, malheureusement pour vous. Ok, on a Young ici. Pour l'instant, personne n'a trouvé, les gars. Alors, on a Zach. Ok, qui est monté en haut, d'accord. Pour l'instant, personne n'a trouvé parce que personne ne dit avoir trouvé le véhicule. Par contre, je vois pas beaucoup de personnes à pied. Je sais pas, vous êtes passé où. On va voir si du coup, le fait d'avoir un avantage, bah ça va aider les duos. Ok, il y a des gens qui sont partis là-bas, des gens qui sont là. Pour l'instant, personne n'a trouvé, personne ne réfléchit, je pense, j'ai envie de dire. Ok, il y a des gens qui sont ici, l'ambulance qui est ici. Il y a beaucoup de monde dans cet endroit. Et je vois aussi des gens là, du côté là. On va aller voir un peu comment ça se passe. Elle n'est pas derrière ça. Elle n'est pas derrière le bâtiment. Trouvé. Ah, quelqu'un a trouvé, c'est qui? Nerby. Eh bah écoute, j'arrive. Bon, du coup, la panto, les gars, elle était en haut du hangar numéro 1, là où on a fait le premier jeu. Ah ouais, sur un toit. Ah, GG Nerby. Quand t'as dit, il monte. J'avoue, il y en a qui peut monter dans ta voiture. Bien joué, Nerby, mon frère. Je me suis dit, non, il va pas mettre une panto. Eh bien, messieurs, on va se retrouver dans le jeu numéro 3. Tout le monde descend, du coup. On se retrouve dans le jeu numéro 3, c'est là où il y a les deux Luxos. Eh bien, bien joué à vous, mes chers compatriotes Nerby, Spirit. Pouvez-vous venir devant moi, s'il vous plaît? Nous allons éliminer deux duos, du coup. Alors, vous allez choisir. Alors déjà, dans le premier temps, vous allez éliminer deux duos. Je vous invite à éliminer deux duos de votre choix. Soyez bien stratégique hein, si vous avez envie de gagner le jeu. Ok, donc Mike et... Burak éliminé, c'est ça? Ok, et ensuite, toi, tu élimines Lohan et Tunsi. Ok, bien joué à vous. Bah, du coup, pouvez-vous mettre sur le côté ici. Si quelqu'un peut aller chercher avec une ambulance, s'il vous plaît. Bienvenue dans le jeu numéro 3. Vous êtes plus que 8 duos, les gars. Vous vous approchez de plus en plus de l'étape finale. Alors, pour ce jeu, ça va falloir vraiment bien connaître votre duo. Va vraiment bien falloir être synchronisé avec lui, être très minutieux et être très stratège parce que là, va falloir tout simplement se qualifier. Sachant que là, vous allez passer 4 duos par 4 duos. Donc, je vais demander à Spirit et Nerby, ceux qui ont gagné le jeu précédent, de venir vers moi. Vous allez passer en premier et vous allez du coup avoir la chance de choisir les 3 duos qui passeront avec vous. Donc, vous avez cet avantage hein, si jamais vous avez choisissez des noobs. Voilà, donc vous choisissez 3 personnes et ensuite je vais expliquer le jeu, d'accord? Scozio et Riz. Ok, avancez. Chris et Ryder. Ok, avancez. Approche pas. Alors, du coup, vous choisissez chacun une couleur, là, n'importe. Alors, bonsoir à tous. Du coup, bienvenue dans le jeu numéro 3. C'est un jeu très minutieux, un jeu de dextérité, un jeu où va falloir être très concentré.
Alors c'est assez simple, vous avez une moto et vous avez une Deluxo. Vous allez me dire, mais Elune, qu'est-ce qu'on va faire? Alors tout simplement, on appelle ça le jeu de la portée. Vous allez devoir porter votre collègue qui est en moto, donc la Deluxo porte la moto, ok, donc à l'aide de cette rampe. À mon décompte, vous partez. Là, hop, je prends ma moto, je monte sur la Deluxo. Imaginez que je suis sur la Deluxo. Et vous devez aller là-bas, tout au fond, là où il y a le sapin. Vous allez voir, il y a un sapin tout au fond, en hauteur. Les deux premiers qui toucheront le sapin, eh bien, seront qualifiés pour l'étape finale, ou la finale, le jeu final. Attention, messieurs, 3, 2, 1, go! Et du coup, bah, vous passerez en deuxième. Et merci de ne pas faire tomber les véhicules, ceux qui passent en premier. Alors, on a Peppa et Jaouki qui partent en premier. Vont-ils réussir? Et malheureusement, Jaouki qui tombe. On a Ryder et Chris qui sont en train de partir. Alors c'est un jeu qu'on a fait sur le jeu de la salle, sur la chaîne de la salle. Et bien évidemment, les jeux ont été testés en amont, donc on a testé tout à l'heure. Et ça marchait, donc on a réussi à monter, faut juste pas se précipiter, voilà, si je peux vous donner un petit indice. Une petite chance, voilà. Donc là, Peppa qui est en train d'avancer avec son collègue Jaouki. Ils sont en train d'avancer, on va les suivre, hein. On va les suivre juste en bas de nous, voilà, ils sont en haut, ils montent. Bon, pour l'instant, ils sont très très bien, Jaouki. Une fois que vous avez touché le sapin, je vous donnerai votre go et vous pouvez du coup vous replacer au point de départ pour faire passer les autres duos après. Et je pense que Jaouki et Peppa vont remporter leur place en finale. Bien joué Peppa, bien joué Jaouki. Vous pouvez du coup revenir au point de départ s'il vous plaît pour le prochain passage. Et on va aller voir les autres duos qui pour l'instant sont en train de galérer. Donc on a déjà une équipe qualifiée pour le prochain jeu. On va voir un peu comment ce que ça donne du côté là. Donc on a Nerby. Alors moi ce que je vous conseille c'est... Voilà. Ok, ça c'est très serré, on a Nerby, on a également le duo Riders et Chris qui pour l'instant sont très très bien. On rappelle que il faut monter, hein. On rappelle qu'il faut monter, il faut de l'auteur. C'est de la dextérité, c'est très très serré entre les deux duos là, on va voir qui va tuer le sapin en premier. Aïe 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 aïe. L'équipe de Sprint qui a gagné le jeu 1, malheureusement, n'arrive pas. Et je pense qu'on va avoir un éliminé. Faites attention. Vous précipitez pas les rouges. Faites très attention. Faites très très attention. Et nous avons une deuxième équipe qualifiée. Faites pas tomber les véhicules. Revenez au point de départ. Bien joué Riders et Chris qui sont qualifiés. Et malheureusement pour les autres équipes, vous êtes éliminés. Alors du coup, nous avons les qualifiés pour l'étape finale. Donc Jaouki, Peppa, Riders, Chris. Donc vous, vous formez quelle équipe du coup? On va mettre les gigolos. Nous, c'est les citoyens. Alors, et bah les gars, à mon décompte, vous pourrez commencer le jeu. Attention, je rappelle que c'est les deux premiers qui touchent le sapin qui sont qualifiés pour l'étape finale. 3, 2, 1, go! C'est parti, messieurs. Jeu de dextérité. Jeu un peu plus compliqué, hein. Forcément, plus on avance dans le jeu, plus c'est compliqué. Et pour l'instant, c'était l'équipe jaune qui s'était qualifiée en premier. Mais là, Dylan et Sam, ce qui ne représente pas l'équipe de jaune de Peppa de tout à l'heure. Nous avons déjà un duo qui avance, c'est Zach et Mitsu. Suivi par Albanitro et Young et PRC et Phil. Et malheureusement, on a déjà une équipe. Oh là là, il y a une équipe qui a fait tomber notre équipe. PRC et Phil qui sont très très bien. Il s'agit de rouler doucement. C'est une stratégie plutôt sympathique. De toute façon, il faut aller doucement dans ce jeu. Ça sert à rien de se précipiter. Phil et PRC qui vont peut-être rejoindre les deux qualifiés pour la finale. Et ce seront les troisièmes qualifiés. On voit qu'ils avancent de plus en plus. Est-ce qu'on voit un duo derrière? On a un autre duo derrière qui suit. Allez-y, allez-y. Alors, vous n'êtes pas obligé de toucher tous les deux, enfin, vous deux, le sapin. C'est uniquement la moto qui touche le sapin. Eh bien, bien joué à vous. Vous pouvez revenir au point de départ, du coup. Et on a un autre duo qui est en train d'avancer. C'est Zach et Mitsu, qui étaient très bien partis. Et qui, je pense, vont se qualifier également. À part s'ils tombent, on va pas leur porter la poisse. On fait très attention. Donc, c'est un jeu où faut... C'est un transport dangereux, voilà. Faut vraiment transporter son collègue, mais de façon dangereuse. Et Zach, qui se qualifie... Bien joué à vous, vous pouvez revenir au point de départ malheureusement pour les autres qui sont éliminés. Et nous allons passer au jeu final. On se retrouve du coup tout de suite pour le jeu final. Eh bien, bienvenue dans le troisième et dernier jeu. Derrière vous se trouve 4 box. La box numéro 1 à votre gauche, à votre droite la 2. Derrière celle-ci la 3 et la 4 derrière la 1. Dans ces box, il y a des motos. Il y a une moto qui n'est pas pareille que les autres, c'est la moto américaine. Le duo qui a la moto américaine devra faire en sorte de se faire voter par les autres duos. Si jamais les autres duos votent pour celui qui a la moto américaine et c'est bien effectivement lui qui a la moto américaine, il remporte le jeu. Si jamais vous votez pour un duo et qu'ils n'ont pas la moto américaine,
bah, le duo sera éliminé jusqu'à, jusqu'à le duo final. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Alors, les, les duos qui passeront, donc ça sera vous. Vous n'allez pas, bien évidemment, passer en premier. Hein. Ça sera un de vos duos qui passera. Vous allez choisir une box. Une fois que vous êtes dans votre box, moi, je sais où est la moto, hein, bien évidemment, et je changerai à chaque fois. Donc, vous allez aller dans, dans la box. Donc, c'est toi le premier qui va choisir une des box. Tu veux laquelle? Je prends la une. Donc, la une, c'est celle-ci qui est devant moi. Alors, tu te mets en première personne et tu suis le chemin. Tu me suis. Oh, ok. Voilà. Donc, tu dis rien, pas de réaction. C'est bon pour toi? C'est bon. Tu peux revenir et te remettre à ta place. Ensuite, prochain duo, ça sera toi en noir. Tu choisis la box numéro combien, sachant que tu peux pas choisir la 1. La 3. La 3, du coup, la 3, c'est... Alors, il a choisi la box numéro 3, les gars. Et dans la box numéro 3, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, tu ne dis rien. Et tu peux revenir au point de départ. Prochain duo, et bah c'est Jaoki qui choisit. Tu choisis laquelle? Il reste la box numéro 2 et la box numéro 4. Allez, 2. Vas-y, tu peux aller voir la box numéro 2. Une fois que tu t'es sorti, tu reviens au point de départ. Du coup, Phil, tu me suis. Et du coup, tu vas aller voir la box qui se trouve ici. Voilà. C'est bon? Donc vous, vous avez bien évidemment qui, vous avez vu quel duo à la moto américaine. Et du coup maintenant, les duos d'en face, ceux qui n'ont pas été voir, bah du coup, bah les box, vous savez pas ce qu'il y a dans les box, vous savez pas si votre duo, il a la moto américaine ou pas. Eh bien, vous allez devoir voter pour un duo, pas que vous pensez qu'il a la moto américaine. Eh bien, Zach, PRC, Riders et Peppa, à vous de discuter avec vos collègues d'en face qui ont vu les box. Et vous avez 2 minutes, dans 2 minutes, vous allez devoir me donner un nom. Ok. Jaoki, est-ce que t'as la moto? Non. Ok. Bon, Mitsu, dis-moi tout, Mitsu. L'herbe est bien verte. C'est bizarre, là. Ah ouais. L'herbe est bien verte. Chris, t'as quelque chose? Allez-y, hein, discutez entre vous, les gars. Discutez entre vous, débattez, messieurs, Mitsu? Ouais. Ouais, ta réaction, c'était bien le... ok. C'était pas faux. C'était bien. Est-ce que ta moto était de type américaine? Non. Non, t'es sûr? Sûr. Moi, je pense que t'es tombé sur une petite Harley, tu t'es dit « Oh là 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 ». Non. Okay. Riders, t'en penses quoi de tout ça? Moi, j'ai pas entendu la réponse de Chris quand je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a vu quelque chose? C'était beau. C'était beau? Ouais, c'était beau. Très beau. Ok. Okay. Et toi, Zach, t'en penses quoi de tout ça? Je pense pas que Mitsu, là, à Chris... Et tu penses que... Ouais, non. Moi, je pense que c'est Chris qui l'a. Et PRC? Ouais, j'hésite entre Chris et Mitsu, moi. Eh bien, messieurs, vous allez passer au vote dans quelques secondes. Alors, je rappelle le barème du jeu, je rappelle les règles. Vous allez devoir voter un des personnes en face, donc un des duos, hein, bien évidemment. Si jamais vous avez voté pour quelqu'un et cette personne a l'immunité, enfin, genre, imaginons, il y a deux points pour Mitsu, un point pour je sais pas qui. Et si Mitsu a 2 points et a la moto, il remporte le jeu. Si jamais il a pas la moto, le duo est éliminé. D'accord? Eh bien, messieurs, à vos votes, on va commencer par Peppa. Ah, et en plus, je pense en premier. Oh, la horrible. En fait, je sais pas, je suis partagé parce que je me dis, Mitsu, il était quand même très confiant. Mais on a le collègue aussi de Raiders qui était en mode, là, ça me fait plaisir, tu vois, en mode... c'est comme s'il veut montrer qu'il a la moto pour se faire voter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, du coup, je vais voter le collègue à PRC, du coup, celui qui est tout à gauche. D'accord, tu votes pour Phil, ok. Ouais, c'est ça. Riders, pour qui votes-tu? Moi, je vote pour le collègue de Zach, Mitsu. Mitsu. Zach, pour qui tu votes? Moi, j'ai voté pour Phil, vu que Mitsu, c'est mon, bah, voilà, mon coéquipier. Ok, et PRC? Et moi, je vote pour Chris. Eh bien, nous avons 2 votes pour Phil. Peut avancer. Le duo peut avancer, son duo aussi. Alors, vous avez la box numéro combien déjà? Numéro 4. Je vais aller chercher le véhicule de la box numéro 4. Si jamais c'est une moto américaine, vous êtes qualifié. Si ce n'est pas une moto américaine, vous êtes éliminé. À tout de suite. Un menteur, il a aïe, la aïe, 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 aïe. Eh bien, malheureusement, vous êtes éliminé. Alors, c'était Chris qui avait du coup la moto. Ah, je le savais. Américaine. C'est sûr. Je vais changer les motos du coup. Et il n'y aura plus que 3 box. Alors, messieurs, vous êtes plus que 3 duos. Il était un petit chameau qui vole. Zach. Aïe, aïe, aïe. J'hésite avec la 3. Je vais dire la 3, allez. Soyons fous. Suis-moi. Tu vas aller voir ta box et tu reviens. Ensuite, il était une fois un peu. Petit singe rouge. Peppa. Ok, je vais prendre la 2. Hein. Allez, tu peux rentrer par là. Et du coup, bah toi, tu peux aller à la 1. Tout le monde a vu sa box. Et bah, revenez au point de départ. Et du coup, Mitsu, qui est-ce que tu penses qui a la moto américaine? Et ben, Zach, est-ce que le ciel est bleu? Pas vraiment. Par contre, l'herbe est bien verte. Ok.
T'en penses quoi de ton duo? Est-ce que tu penses qu'il a la moto américaine ou tu penses à quelqu'un d'autre? Je pense quand même que c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi? C'est bien silencieux. Et toi, t'en penses quoi, Pépa? Tu l'as ou pas cette moto? Je sais pas en vrai, hein, ça me paraît très 50cc, tu vois le truc. Tout ça, Riders, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'il y a des gens qui jouent bien leur jeu. C'est ce que je pense. Et toi, Zach, t'en penses quoi de tout ça là, après les avoir entendus? Moi, j'en pense que j'ai des soupçons. Mitsu, Chris et Jaoki, à vos votes. On va commencer par l'autre côté cette fois-ci. Et c'est Mitsu qui va voter. Je vais voter pour Ryder. Et toi, du coup? Je dirais lui, le noir là-bas. Zach. Je pense que Zach, c'est lui qui a la moto. Ok. Et toi, Jaoki? Allez, Ryder. Riders, Chris, ouais. Mettez-vous au milieu. Si jamais votre box contient... Ah, c'est horrible. Eh bien, si jamais votre box contient la moto américaine, vous avez gagné le jeu. Donc, merci de ne rien dire pour le moment. Et j'arrive dans la box numéro 1, du coup, vous avez... C'était la même box que tout à l'heure, du coup, il y avait la box. Ah là, Isaac, il avait l'air d'avoir le sourire. Je pense que c'est fini, les gars. Ah, c'est aïe. Bah, c'était sûr. Bien joué. Let's go. Riders, c'est Chris qui remporte le jeu. Bravo à vous. Et bien... Merci. On peut le dire qu'ils sont chauds, comme un chocolat bien chaud. Bien joué. Et à plus tard pour un autre jeu.